العار وصرت يبسا يبسا وحزينا راني هايما ما نعرف وصرت يبسا يبسا وحزينا راني هايما ما نعرف Démon de minuit, bonsoir. Ce soir, peut-être une confrontation, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous avons sur ce plateau Dominique Brakveld. Dominique Brakveld, vous êtes le président de l'association Rosbach. Et Rosbach, c'est en fait 17 mains. On dirait peut-être presque des petites mains privées d'emploi. Et avec un romancier qui s'appelle Montserrat et un cinéaste qui s'appelle Vincent, vous avez travaillé pour faire des mots. Et un film. Le livre s'appelle « Ne crie pas », le film s'appellera « Sauve-moi ». Et il y a là 17 chômeurs qui ont écrit, qui ont travaillé. Vous êtes l'un des invités de « Démons de minuit ». Face à vous, vous avez Armand Gatti, qui a aussi beaucoup travaillé avec les exclus. Comme vous, il refuse une certaine sémantique, il refuse certains mots. On ne dit pas chômeur, on dit privé d'emploi chez vous. Chez Gatti, on ne dit pas les exclus, on dit les loulous. On peut dire les loulous. Oui, Armand Gatti, folklorique, là. On va commencer avec vous. Donc, vous avez 78 ans. Mm-hmm. Vous avez un parcours qui n'est pas commun. Et je n'ai pas envie de raconter votre parcours. J'ai simplement, pour commencer, envie de vous demander de commenter ce tableau Right and Left, un tableau de 1909 d'un Américain qui s'appelle Winslow Homer. Et je vous montre ce tableau et j'aimerais que vous me le décriviez, que vous me le commentiez et que vous me disiez ce qu'il évoque pour vous. De la mauvaise peinture, c'est tout. Ah, j'ai raté mon coup. Oui. Oui, non, là, c'est... Moi, j'aime bien. Oui, non, mais ça, c'est... Voilà, je donc respecte, on a chacun... Voilà. Alors, absolument. Simplement, je voulais vous le montrer pour deux choses, parce que je pense que ce tableau était intéressant. D'abord, parce que c'est un vol de canard sauvage contre le vent, mm-hmm. et c'est l'une de vos expressions. Et deuxièmement, parce que si vous aviez pris la peine de regarder ce tableau, vous auriez vu que toute sa signification était dans ce petit carré, c'est-à-dire que l'un de ces oiseaux est abattu par un chasseur. Et donc sa signification est dans le lointain. Et je pensais que ce tableau pouvait éventuellement évoquer quelque part ce que pouvait être votre recherche. Il n'en est rien, puisque c'est de la mauvaise peinture. Dont acte, et tant pis pour Winslow. – Et non, mais en tant que tableau. – Non, j'entends bien, mais bon, voilà. – Au contraire, les canards et ceux qui volent contre le vent, ça a été même tout un moment de ma vie. D'ailleurs, même en anglais, c'est le nom qu'on me donne. Enfin. – Oui. – Bon, ben celui-là était sympa, enfin, ce malheureux canard qui meurt chez Homer, c'est dommage. Bon, pourquoi est-ce que vous avez 50 pièces ou à peu près en 30 ans à votre actif, vous avez quelques films, j'ai envie d'essayer de décliner cet entretien sur « Ich bin, ich war, ich werde sein »,« Je suis, j'étais, je serai oui. ». Parce qu'à 78 ans, on peut essayer de se structurer comme ça. Si on dit « Ich bin », qu'est-ce que vous dites aujourd'hui ? Je suis quoi, aujourd'hui, à 78 ans ? Ben, c'est-à-dire que je... on dialogue sur la matérialité de ce qu'a été ce « Ich bin, ich war, ich werde sein » ou on fait de la glose non, biographique. On coupe. On coupe. Donc, Ich bin, je suis. Je suis quoi aujourd'hui, moi, Armand Gatti, à 78 ans ? C'est-à-dire, Armand Gatti, à 78 ans, c'est-à-dire que... Non, mais vous savez, je fais quoi ? Je travaille comment ? J'en suis où de mon élaboration ? Je suis en train de travailler sur une pièce qui va durer à peu près, je pense, une cinquantaine d'heures. Et qui pour moi, enfin, c'est pas dans l'horaire, c'est important, c'est uniquement le fait que j'ai trouvé, enfin un langage pour ce type d'expression, pour ce qui pourrait être le langage dramatique, etc. Et c'est la théorie des groupes d'Évariste Galois,
qui remplace tout le fatras psychologique qui a toujours, hélas, mais je parle, je dis hélas à cause des grands auteurs qui sont appuyés dessus, quoi. Parce que, bon, c'est-à-dire que la base du théâtre a toujours été plus ou moins de type psychologique. Enfin, c'est... Vous refusez la psychologie, la psychanalyse, tout ça? Ah non, pas... c'est une... C'est des conneries. Ah non, non, non. Il y a quelqu'un que je sauve, ouais. C'est le chien de Freud. Pourquoi? Qui était un chien formidable. Il s'appelait comment? Je crois Dick. Dick. Et le vôtre s'appelle comment? Le mien, c'est Tao. Votre chien, oui. Et là, mais il est mort. Alors, donc, là, celui qui est maintenant, c'est Niels Bohr. Voilà. Et pourquoi sauvez-vous le chien de Freud? Parce que, au moment. Parce que Freud avait un cancer à la bouche. À la bouche, et, etc. Et il est évident que c'était très, très. Enfin, évidemment, pénible à supporter pour lui, ça va de soi. Mais, disons, ce qu'il y a, c'est que sa santé est très mauvaise et que peu à peu, il a perdu tout le monde. Les disciples d'abord, la famille ensuite qui s'est éloignée, etc. Et disons que, et jusqu'au moment où ça, il a demandé, c'est une euthanasie qu'il a demandé à son médecin, il dit bon, finissons-en, etc. Et donc, le chien restait là. Lui ne l'a jamais abandonné. Et tout le dialogue qu'il pouvait avoir avec, et donc c'est quelqu'un que, pour lequel j'ai une énorme sympathie, ce chien. Pourquoi avez-vous plus confiance, pourquoi peut-être avez-vous plus confiance dans les animaux que dans les hommes? Ben, c'est-à-dire, c'est un peu ma façon d'aimer, ma façon d'être. D'un côté les arbres, d'autre côté les animaux. Lorsque je suis un arbre avec des oiseaux, pour moi, c'est l'image du bonheur. D'être devant ça. Et surtout ce que les oiseaux de l'intérieur des branches, etc., commencent à, je dis parler, enfin à chanter, etc. Et puis avec le fait que chaque chant répond à la couleur. Et donc l'harmonie de la nature, l'équilibre du monde. Oui, et la fameuse le clavecin oculaire du temps de Descartes, de Mersenne, etc., qu'on a totalement oublié et qui était la seule façon d'essayer de donner un langage à des activités comme la peinture et le son, parce que évidemment que ce soit là, ce ne sont pas des langages. Et c'est pour ça que maintenant on assiste à c'est le suicide maintenant. Il n'y a plus de peinture, il n'y a plus de musique, enfin. Hein, parce que il n'y a qu'Internet. Hein. Hein, Internet, c'est Belzébuth, oui, tout levé, là. Et donc, là, c'est vraiment la réaction. Ça, c'est ce qu'il y a de pire. Bon, d'accord. Vous aviez des jeunes qui se battaient pour l'imagination au pouvoir. Aujourd'hui, on se bat pour quoi? En mai, c'est-à-dire. Mai 58. C'est pas la constitution de De Gaulle, ça, mais 58. Non, 68, vous voulez dire. Ah, 68. Oui, c'est mieux. Hein. M'excusez. Ouais, non, mais il y a jamais que 10 ans. Bon. En parlant des pères, parce que vous parliez de Freud et de son chien qui le seul à rester là. Alors, dans vos pères, il y a Jean Villard, il y a Auguste, dont vous avez fait une pièce, qui est votre père, hein, et qui est cet homme de peu, comme diraient des sociologues aujourd'hui. Léonard de Vinci, Nestor Makhno, Jean Cavaillès, Gramsci, Michaud, Derouty, Cafiero. Et puis, il y a aussi Mao. Et en fait, ce matin, dans Libération, je disais ceci, qui est un article passionnant, parce que c'est rare que des journalistes réussissent à aller en Corée du Nord. Et chez Romain Franklin, je lisais ceci. L'effondrement du système. On est en Corée du Nord et il s'est fait passer pour un touriste. Mmh. Et il a réussi à aller faire son travail de journaliste, que vous avez été aussi, vous, puisque vous êtes un prix Albert Londres, 54, si je ne m'abuse. L'effondrement du système, on est en Corée du Nord, a enclenché un mécanisme infernal qui multiplie le décès. La décrépitude des canalisations répand les diarrhées dans les organismes affaiblis des enfants que le manque de médicaments, de chauffage et de nourriture achève bien souvent. Et puis, un peu plus loin, Franklin note ceci, les principaux clients du tourisme en Corée du Nord font partie du contingent des 30 000 touristes chinois que la Corée du Nord doit accueillir chaque année en échange de subsides alimentaires que Pékin lui fournit. Les touristes chinois sont très bien, nous dit un guide, ils ne posent pas de questions et ne prennent pas beaucoup de photos. Alors, Mao a pour vous été un des pères que j'évoquais il y a une seconde. Est-ce que parfois on ne se trompe pas de
de père. Aujourd'hui, vous... Ah non, je le revendique... Pour vous donner un exemple, je dois aller en Chine pour, à cause du livre qui vient de paraître, et je dois faire un certain nombre de lectures, etc. Et là-dessus, j'ai tout de suite revendiqué Mao. D'ailleurs, il y a tout un passage. Mao m'a fait le plus grand cadeau. Lorsque j'ai demandé Mao, qu'est-ce que c'est que, pour vous, l'homme nouveau ? Il a pris son carnet, il a arraché une feuille blanche comme ça, il m'a dit, voilà, signé là, c'est ça l'homme nouveau. Voilà. Donc ça voulait dire que c'était à moi de construire. Et pas le chercher à droite et à gauche, que chacun se mette à le construire, l'homme nouveau. Et donc, il me donnait une page blanche. Mais quand on voit ce que ça donne en Corée du Nord, quand on voit ce que ça donne en Chine, l'homme nouveau ou le père ou celui qui vous tend un papier, qui vous dit écrivez et fabriquez l'homme nouveau, on a quand même l'impression que ça produit. J'ai passé un an en Corée du Nord, donc du temps de Kim Il-sung, pas du temps de. En général, vous savez, les trois quarts de la presse, c'est la CIA. Et il n'y a pas que la presse. Il y a qui d'autre ? Il y a qui d'autre ? Toutes les activités actuellement, plus ou moins, on la retrouve toujours. Et les sciences, malheureusement, je crois que... Est-ce que c'est pas un tout petit peu exagéré ? Pour quelqu'un comme vous, qui fait attention aux gens, qui va chercher des gens qui n'ont plus le verbe, est-ce que c'est pas un peu abusif ? De dire toute la presse c'est la CIA, que Libération soit la CIA c'est très bien, que France 2 soit la CIA c'est formidable, que TF1 soit la CIA plus le commerce sur le net très bien, mais franchement est-ce qu'on communique quand on dit ça ? Il y a une des pièces qui a été montée à Avignon d'ailleurs, qui était une pièce qui était autour d'Urruti, il avait la même veste d'Urruti, puis parce que je suis anarchiste. – Non, j'ai compris. – Donc, ça se terminait par que la seule mesure de l'homme valable, c'est la démesure. Et la dernière phrase est « Soyez tous démesurés ». Voilà. – Comment est-ce qu'on transmet la démesure ? C'est l'un de vos éléments force, enfin en tout cas c'est ce sur quoi vous travaillez, donc vous allez transmettre la démesure. Et le premier élément en image que je voudrais vous montrer, c'est la réaction de ceux auxquels vous essayez de transmettre la démesure, que vous faites accéder à un autre langage, en tout cas chez qui vous faites émerger leur langage. On regarde un premier extrait des gens avec lesquels vous travaillez, que vous appelez les loulous, que d'autres osent appeler aussi les exclus. Pour survivre, il faut être le plus mort possible. Alors, rencontrer quelqu'un qui a réussi à vivre sa passion, c'est déjà une grande chance. Et il n'est pas venu ici, Gatti, pour faire un safari culturel au milieu des détenus, mais nous faire vivre sa passion. Aussi bien Gatti que nous, on a retrouvé une certaine liberté intérieure que personne n'a, très peu, même dehors. Dehors, c'est tout, ils sont tous enfermés dans leur petite vie minable. Sans savoir ce que c'est que la vie, en fait. Monsieur Gatti, en nous projetant dans cet événement énorme de la Révolution française, était certain de donner à nos âmes une dimension supérieure. Alors... Ça, ce sont des archives que nous avons retrouvées, ça date des années 80, ce sont des gens qui étaient en prison, avec lesquels vous avez travaillé, d'où le moirage. Alors, la première question, elle me vient par rapport à ce que je viens d'entendre. C'est-à-dire que vous, vous êtes un homme de théâtre. Vous êtes connu, vous êtes... en tout cas, vous êtes reconnu comme homme de théâtre, en tout cas comme quelqu'un d'inclassable. Ce monsieur-là, qui fait 20 ans de tôle, et avec lequel vous travaillez, il dit « Monsieur Gatti ». Il dit pas Armand Gatti, il dit Monsieur Gatti. Qu'est-ce que c'est que cet espace qu'il installe entre vous ? Qu'est-ce que c'est que cette distance qu'il installe entre vous ? Et comment vous vivez ce monsieur ? Bon, au pays. Le principal, c'est le contact. Ouais. Justement, celui qui dit Monsieur, là, disons que 3 jours après
et disons qu'on ait commencé le travail, et donc il l'avait déjà prévu. Hein, j'ai reçu de Corse, parce qu'il était corse, hein, j'ai reçu de Corse un cajot de bouteilles de vin qui venait que sa famille, et il avait demandé à sa famille de me l'envoyer, étant donné que j'allais travailler en prison, et donc je l'ai partagé, hein, et qui tenait, lui, à se conduire comme un. Voilà. Disons que chaque individu a ses particularismes, sa façon d'être, a son histoire derrière lui, et elle n'est pas toujours la même, lui. – On est en train de parler de votre travail depuis les années 80, c'est-à-dire qu'avec les exclus, ceux que vous appelez les loulous, vous avez travaillé à Marseille sur le fascisme, vous avez travaillé à Fleury-Mérogis, la prison, sur la Révolution française, vous avez travaillé à Avignon sur la Kabbale, vous avez travaillé à Sarcelles sur la théorie des cantats. Là, vous étiez en train de parler du mathématicien… Évariste Galois. Évariste Galois, voilà. Et donc, vous êtes toujours dans cette envie de pédagogie. Il y a une pédagogie. Quand on vous voit travailler, on va vous regarder travailler dans une seconde avec ses exclus ou avec ses loulous, il y a cette manière de dire autrement. C'est-à-dire que vous ne dites pas le fascisme, vous ne dites pas c'est Hitler, mais vous dites que mon fascisme à l'italienne, c'est l'huile de ricin. C'est-à-dire qu'on fait traverser la ville par des gens qui en chient. Oui. Au vrai sens du terme. Vous dites les Lituaniens, quand ils veulent plaire au fascisme, ils prennent des têtes de juifs, ils les mettent sur la fenêtre. Et cette manière que vous avez de dire aux élèves à qui vous apprenez, est-ce que c'est une pédagogie volontaire ou est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est une manière de transmettre ? C'est-à-dire, il y entre très peu l'idée de pédagogie. C'est-à-dire, non, mais transmission, alors j'enlève début pédagogie. Chaque d'expérience ouais. commence par ces mots. Hein, au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Et vous êtes Dieu. Voulez-vous être Dieu avec moi ? Donc vous êtes Dieu, forcément. Si on avance, c'est que vous êtes Dieu et que vous acceptez le principe. C'est uniquement une citation. Mais ça donne l'esprit dans lequel on va aborder. C'est-à-dire que l'élément principal de base, c'est la poésie. Et c'est pour ça qu'on est tout à fait synchrone avec le sous-commandant Marcos, lorsqu'il dit... Et les on est au Mexique, hein, pour situer un peu géographiquement. Oui, dans les Chiapas, on est très, très proche, puisque, disons, l'argent de nos spectacles, on l'envoie au Chiapas. Maintenant, on a fait une petite exception, à un moment donné, pour les Kurdes, mais disons qu'on ne fait pas des spectacles, nous faisons une marchandise. Ça, c'est le refait absolument. Est-ce que tous suivent ? Qui ? Les loulous avec lesquels vous travaillez. Ils sont là pour ça. Pourquoi? Oui, sauf que certains disent... Moi, je suis venu dans un stage de théâtre, je pensais que j'allais faire du boulevard, et je me retrouve avec Armand Gatti. Mais là, il prend la porte tout de suite, celui-là. Donc vous l'excluez. Je n'exclue pas, c'est-à-dire que c'est lui-même qui s'exclut. Vous savez, moi, j'ai eu le nombre de lignes achetées au marché noir qui se cédaient entre eux, etc. Et ça, c'était toujours des comédiens qui venaient, qui pensaient que là, ils auraient le rôle qu'ils n'avaient pas dans le système. – Armand Gatti, comment fait-on la part des choses je veux dire, le pauvre type, et je mets l'expression entre guillemets, qui vient vous voir en pensant assister à un stage de théâtre de boulevard et qui découvre Armand Gatti et qui est un peu déstabilisé, c'est un pauvre type, mais c'est sans nuance péjorative. Il faut l'aider, il faut le sortir de cette… perception qu'il peut avoir de vous. Non, mais ce qui m'intéresse et qui doit l'intéresser aussi, c'est le combat. Hein? Parce que bon, disons que ce que j'ai essayé de tirer du théâtre, parce que j'y suis passé par le théâtre, hein, et qui s'est profondément métamorphosé, hein, ça a été au Guatemala avec le Che. Bon, au moment de la chute d'Arbenz, il y a eu, disons, ce moment très, tout à fait particulier où, bon, encore un coup de la CIA, dans ma démesure. Décidément. C'est bien de dire dans votre démesure, parce qu'il y a une espèce de manière. Non, mais je le revendique. Oui, enfin, mais très élégante de relativiser les choses. Et donc, ça a été la découverte de cet homme formidable
qui était Ion Sosa, qui était le commandant du premier fonds guatémaltèque. Et chez lui, dans cette parole que je mets dans chaque expérience, l'arme décisive du guerriero, c'est le mot. Voilà. Mmh. Et lorsque. Et puis vous prenez une sacrée gifle, parce que votre guide qui s'appelle Philippe, et qui meurt, et vous allez sur sa tombe, et cet homme vous dit, vous. Les Occidentaux, enfin en tout cas, il vous dit, les paroles, vous les jetez, vous ne les faites jamais exister. Ben oui. Et 10 ans plus tard, vous dites, un chien, est-ce que le mot aboie ? Ah, ça, c'est pas moi, c'est Auschwitz, ça. Non, mais j'entends bien, mais en même temps, vous avez tout intégré enfin, de ce que vous dit Philippe à ce moment-là. Enfin, Philippe, absolument, absolument. Non, mais d'où, un peu, disons, la réputation que je suis indien, que je pense indien, et bon. Pourquoi pas ? Il est évident qu'une des choses dont je suis le plus fier, c'est la reconstitution de l'alphabet maya. Qui, même les savants, même, c'est très approximatif. Et c'est surtout pas les franciscains qui ont assassiné cette langue, etc. Ça a été un de mes plaisirs. Et là, le poète Otto René Castillo, le grand poète Otto René Castillo, que j'avais connu à Berlin, qui était retourné pour entrer dans le maquis, parce qu'on me demandait qu'est-ce que. Il faut un intellectuel dans le maquis, c'est pas bon. Ça dépend quand et où Oui, non, mais c'est vrai que ça demande des physiques. Et puis, il faut apprendre à tirer. Ah, du nom. Un intellectuel dans le maquis, c'est vous aujourd'hui, dans la société contemporaine, avec Internet qui vous agresse à tous les coins de rue, la CIA qui se glisse dans Libération. Mais j'espère bien entrer et d'y être dans un processus de résistance, exactement comme celui du maquis. On va s'arrêter 2 secondes pour vous regarder de deux manières. D'abord, on va vous regarder travailler, et ensuite, on va regarder ce qui, chez vous, a sans doute dû être quelque chose de fondateur, qui est votre séjour dans les camps. On va d'abord regarder comment vous travaillez, on parlait des loulous il y a une seconde, comment est-ce que vous travaillez, ce que vous êtes, comment est-ce que vous transmettez, hein, c'était le débat il y a une seconde, et ensuite on regardera comment vous avez survécu finalement. C'est un combat que vous menez et que vous préparez. Et ça, vous le verrez chaque jour de plus en plus. Et alors, non seulement contre toute une société, mais contre vous-même, quelquefois. Peut-être que le tableau qui dit le plus de la révolution, par une espèce d'ironie, c'est celui où les Français sont présentés comme ceux qui tirent. Hein ? Et alors, personnage de l'ombre, regardez cette touche, les traits qui dessinent, les détails qui l'apportent, tout ça, ce sont des personnages de l'ombre. C'est vrai que le doute existe. Hein? Moi, je l'ai, le doute, là, au moment. Là, maintenant, je n'ai pas encore écrit une ligne, etc. Je suis en train de me battre, telle possibilité. J'ai le doute. Et que vous ayez le doute aussi, c'est tout à fait normal. Hein? Et je dirais même que c'est juste, c'est humain. Le fascisme allemand, lui, hein, carrément, il torturait à mort. Et après, il l'envoyait en camp de concentration où c'était une autre forme de torture et de mise à mort. Bien. Les fascistes italiens, eux, ne font pas ça. Et qu'est-ce qu'ils font ? Eux, ils prennent la personne, puis ils lui font avaler de l'huile de ricin. 1 litre, 2 litres. Hein ? Et puis voilà que la personne commence à se chier dessus. Elle en a plein partout, etc. Puis on la renvoie à la maison. Alors pour aller chez elle, il faut qu'elle traverse la ville, pleine de l'odeur, elle peut prendre un moyen de transport, ni rien. Il faut qu'elle traverse toute la ville pour aller chez elle. Hein? Si tu pouvais, tu vois, il est costaud, lui, il est fort. Hein? Essaye. Hein? Et j'aurais au moins un père, tu vois. Il faut qu'il y ait cette. Toi, sinon, la bombe, là, ça tombe. Comprenez-le bien. L'ambition que j'ai pour vous, c'est l'ambition que j'ai pour moi. C'est la même. Ah, vous suivez, hein, quand vous, enfin, vous opinez en même temps que vous parlez quand on vous regarde sur l'image. C'est drôle. Vous êtes dedans. Oui, mais... Alors...
Vous êtes le poète surchauffé, et De Gaulle vous censure parce que vous êtes le poète surchauffé, donc il donne l'ordre à Malraux de censurer votre pièce sur Franco, et pourtant, il y a des causes. – Non, ce n'est pas De Gaulle directement non plus. Ah, – il a lu le texte à Colombey, il a appelé Malraux. – Oui, il a simplement il a téléphoné à Malraux, parce qu'avant qu'il y ait l'interdiction, parce que c'était Debray, c'était tous ces gens-là. – Vous aimez bien Debray, j'ai comprendre, surtout le fils. – il fait des fautes d'orthographe d'ailleurs. – C'est terrible. Hein – Alors, attentat à la langue française de tous les côtés, et même de ce côté-là, par la faute d'orthographe. Parce que vous avez des journaux qui publient comme titre de gloire le fait d'assassiner la langue française, enfin, avec tous les anglicismes qui rentrent. – C'est la CIA, non ?– Hein ?– C'est la CIA ?– Ah, ça, probablement. – Ouais. Non, mais ça, je ne peux pas donner à ce moment-là le nom du journal, parce qu'après, ils vont me faire un procès. j'ai bien compris. Non, De Gaulle vous appelle le poète surchauffé. Enfin, peu importe à quel moment. Il y a un effet de censure sur votre pièce sur Franco. Et pourtant, je voudrais qu'on montre un autre document. Et je pense que là, c'est un moment fondateur. Et c'est Armand Gatti dans toute son humanité. Et c'est Armand Gatti qui raconte comment, dans les camps, il a survécu. Regardez. Pour pouvoir, avoir. L'emboîtage idéal, le corsetage idéal qui me permettait, pourvu que je retrouve une rime ou que je retrouve un mot, de retrouver l'ensemble, j'ai employé le système de 5 vers alexandrins qui était une rime, disons, masculine. Rime masculine le premier vers, rime féminine le deuxième, rime féminine masculine le troisième, féminine le quatrième et masculine le cinquième. C'était 3 et 2. Et ensuite, c'était le contraire, c'était 3 rimes féminines et 2 rimes masculines, etc. Et ainsi, j'avais la possibilité de mémoriser la chose et je suis arrivé jusqu'à quelques 2000 vers que je savais de mémoire parce que, je les articulais, je les écrivais, il n'était pas question d'écrire, mais c'était une expression que je m'étais trouvée, c'est-à-dire en faisant chanter le corps. Terrible cette façon de faire chanter le corps, parce que vous êtes en camp de concentration, vous êtes résistant, vous êtes condamné à mort, vous êtes gracié parce que vous êtes trop jeune, mais vous êtes quand même déporté. Et cette manière de faire fonctionner l'alexandrin, on a 12 côtes, 6 vers, et puis travailler sur le féminin, sur le masculin par ailleurs, enfin, etc. Mmh. Ça, c'était votre mécanique à vous. C'était pour pouvoir mémoriser. Parce que la rime permettait j'avais essayé d'imaginer un texte qui n'était pas soumis à un rythme, etc., je l'aurais oublié. Parce que là, il y a des vers de l'époque dont je me souviens encore maintenant, enfin. – Alors, c'est là où vous apprenez que le mot est combat, puisque cette pièce, c'est là où vous avez cette rencontre avec le théâtre, ces juifs lituaniens qui transportent de baraquement en baraquement. – Non, un seul. Enfin, ce juif lituanien qui transporte le théâtre, Ishbin, Ishvar, Ishver de Zayn. Voilà. Je suis, j'étais, je serai. Et là, vous comprenez la puissance du mot. Le mot est un combat. Et aujourd'hui, pour vous, le mot reste un combat, quelle que soit sa démesure, par ailleurs. C'est-à-dire que d'abord, je l'ai mal interprété. Eux s'adressaient à Dieu, je suis, j'étais, je serai. Et moi, je pensais qu'ils parlaient de Rosa Luxembourg. Parce que Rosa Luxembourg avait écrit, c'est une de ses dernières lettres, et la révolution dira « je suis, j'étais, je serai ». – Est-ce que vous avez je passe du coq à l'âne et vous aimez les animaux, est-ce que vous avez un avis aujourd'hui sur ce qui se passe en France vis-à-vis des gens d'Action Directe, Ménigon, Rouillan, Cipriani ?– Oui. Ils étaient contemporains, disons, de l'époque où, justement, vous étiez, vous travailliez en prison. – À Fleury-Mérogis, et sauf que y a eu un malentendu terrible. – Est-ce que vous entendez le terrorisme? Est-ce que ça veut dire… – Moi, je suis contre les… Hein – Non, je sais, mais… – Moi, je suis parti de la branche de l'anarchie. – J'entends bien. Hein, – Allez,
sous prétexte que quelqu'un ne pense pas comme toi à les tirer dessus. Non. Et quelquefois, tu ne le connais pas. Non. Non. C'est pour ça qu'à une époque, je disais que seules les guerres civiles étaient justes, parce qu'au moins, on savait qui on avait en face. En revanche, le sort que fait un État à des gens qui l'emprisonnent, est-ce que ça vous touche ? Comme tout. J'ai fait 5 prisons. Oui, je sais. Oui. Alors donc, il est évident que par rapport au régime carcéral, j'ai une distance, disons, assez grande. Bon, et en même temps, j'y retourne, puisque bon, je vais encore y retourner. La création de, disons, je pense que la création de ce théâtre, selon la théorie des groupes, à la recherche des combinatoires de Rabbi Abou Lafia, je vais le faire à Avignon, à la prison d'Avignon. Qui est Rabbi Abou Lafia ? Un kabbaliste, un des plus grands kabbalistes. Non, nous essayons de transmettre aussi dans cette émission. Voilà. Non, mais c'est important de. Non, mais il est pratiquement inconnu. Enfin, et c'est tragique, c'est tragique. Enfin. Parce que tout ce qu'a apporté la Kabbale, c'est vraiment la. Oui, non, mais attendez, Armand Gatti, moi j'adore, quand on s'intéresse. Enfin, alors chez Verdier, c'est chez Verdier qui publie tous vos travaux, c'est-à-dire que publication de vos œuvres de théâtre, publication du travail que vous avez fait à Marseille en livre et en cassette, et puis là, donc La Parole Errante, un travail que vous menez depuis 2 ans en région parisienne, dans un groupe. On est fasciné par ce qui émane de vous, mais il se pose quand même la question de comment je donne, quoi. Comment est-ce que finalement je... Bon, alors, vous partez dans vos envolées extraordinaires, la Kabbale, Évariste Galois, c'est formidable, et les gens, il faut qu'ils suivent derrière. – Justement, il y a, parce qu'ils sont formés, ils sont formés par le système, bon, c'est-à-dire aller consommer la marchandise. Mais ça, je ne sais pas... C'est-à-dire que, et ce que, en faisant ces expériences, j'ai pu constater, et peut-être vous l'avez, j'ai pu constater que plus, lorsque je parlais de la théorie des quantas, ils recevaient ça comme une libération. Parce que le langage, pour eux, était vécu, et toujours été vécu de la façon suivante, c'est soit l'école, qui pour eux est le monde de l'échec, soit la famille, qui est le monde de l'échec. – Soit la société. – Soit les médias, qui est le monde de l'agression. – Ou de la CIA. – Où sont les médias, elles se cachent, on ne la voit jamais. C'est pour ça que tu peux en parler librement. Et donc… – Retrouver une langue, et retrouver un combat, et retrouver votre liberté. – Et pour ce moment, ils sont libérés de tout le poids de ce qu'a été leur enfance, de ce qu'a été, etc. Parce que, en général, je n'ai que des enfances malheureuses. J'ai jamais eu de gens qui partaient avec le bonheur chez moi, et qui le trouvaient peut-être à la fin de l'expérience, mais bon… – Armand Gatti, merci de cet instant, parce que ça fait… 40 minutes qu'on parle, et en fait, vous êtes trop présent, finalement, parce que ça durerait des heures, mais après tout, vous avez l'âge aussi qui vous donne cette puissance. Je voudrais simplement vous citer, et donc, dans La Parole Errante, Armand Gatti, il y a ceci, et je trouve que ça va bien avec ce que vous venez de nous dire, il y a une seconde. « Ainsi sommes-nous nés, personnages porteurs de dialogue, donc de théâtre, j'ajouterais peut-être de vie, et ça c'est moi qui l'ajoute, c'est-à-dire que depuis cette naissance, et peut-être même avant, nous évitons de nous regarder dans les yeux pour éviter de voir l'univers tout entier. L'univers a son reflet holographique en nous comme un point. » Pourquoi est-ce qu'il faudrait avoir peur de se regarder dans un miroir ? Ben non, mais il y a toujours la tentation du narcissisme qui est là. Au-delà de ça. Hein, et Dieu sait si, c'est trop profond. L'homme est faible en ces matières-là. Enfin. Ouais. C'est-à-dire que bon, depuis que, disons, le miroir est devenu une matière à penser, et d'autant plus que cette matière à penser ne correspond pas du tout à la façon dont nous voyons, parce que bon. Ce que nous, il y a un haut, il y a un bas, il y a une droite et une gauche, et ça ne correspond pas du tout. Alors pourquoi voulez-vous que le visage corresponde ? Est-ce que vous avez été narcisse un jour ?
Peut-être le serais-je, enfin, je ne sais pas. Alors, votre actualité, le 3 mai à 20h30, lecture d'un extrait du livre dont je viens de parler, La parole errante, c'est au Théâtre international de langue française, à La Villette. Et puis, par ailleurs, vous avez une autre actualité, puisque vous êtes, par vos textes et parce que vous faites, présent dans une manifestation du 3 mai au 17 juin, au parc de La Villette, qui s'appelle Les Griots de l'an 2000. Est-ce que le mot griot, ça vous va ? Absolument. Non, mais ma grande idée, c'est que l'Afrique, et là je me sens, alors si je n'ai pas été narcisse, mais là disons que je me sens africain à 100%, c'est l'arbre palabre. Si les Africains, là, c'est un cri que je lance vers eux, là, hein, ne perdez pas l'arbre palabre. Sinon, Internet va vous manger, finalement, l'Occident va vous manger. Oui, non, mais je reviens de Los Angeles. Hein. Il y a combien de Noirs en prison ? 2 millions. Plus que de Blancs, c'est clair. Et la peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis. Et, oui. Et vous savez combien survivent des Black Panthers ? 4. Tulliard, la femme de Newton et son fils. Et... Oui. Un dernier mot. La tempête qui couche les arbres en décembre dernier, oui. Et ça vous parle plus que le fait divers ou que le... Non, mais en plus, mon maquis. Mon maquis est rasé. Le massif central rasé. La forêt de la Berbérole que j'avais mythifiée, dans laquelle j'ai vécu. Les... Fini la verticalité. Je lisais Gramsci aux arbres. Et non seulement les arbres me comprenaient ce que je leur lisais, mais en plus ça, ils me répondaient. Comment ? Hein ? Ben, il y a 1000 façons, une façon, et 10 fois plus. Et surtout pour peu. Et là, il y avait un rouge-gorge qui était là, qui allait d'une branche à l'autre, etc., pendant la lecture, qui faisait les réponses qui étaient fantastiques. Enfin. Merci Armand Gatti, merci Dante Sauveur Gatti. C'est le nom que vous avez quand vous êtes né en 1924. Hein. Dominique Brakveld, qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit Armand Gatti ? Oh, beaucoup de choses où je me retrouve, mais bien sûr, je n'ai pas les mots, je n'ai pas les qualités et le savoir d'Armand Gatti. Peut-être un seul aspect qui nous distinguera un petit peu, c'est que je ne suis pas anarchiste, je serais plutôt autre chose. Mais en tout cas, voilà, mais je sens... Et je... Communiste, hein ? Oui, communiste, bien sûr. Le problème, c'est que c'est vrai que je ressens, et j'aime bien quand l'expression « être dans l'arbre », parler avec l'arbre, avec les oiseaux, et puis... Et ça, surtout, la parole, l'écriture, la liberté. Ouais, la liberté, c'est un faux mot. Hein. Oui, mais pour moi, ouais. C'est ce que je crois avoir découvert. Bien sûr, j'aurais pas votre expression, et je le dis, et c'est clair. Mais pour moi, je dis, l'écriture amène la lecture apporte la liberté. Alors maintenant, cette liberté, vous avez raison, quelle forme de liberté, je l'avoue. Mais moi, je suis pour une liberté réelle. C'est pour ça. Non, parce que regardez, et ça c'est encore un coup d'Internet, Berlusconi en Italie, ça date d'il y a très peu. Hein. Sur quoi il enlève l'adhésion des Italiens ? Sur quoi ? Sur le pôle des libertés. Et c'est quoi ? C'est lui au milieu et les fascistes autour. À reconstituer le fascisme italien, voilà. Oui, mais j'aimerais rajouter quand même, c'est que si on exprime bien, est-ce qu'on explique bien le mot liberté, à quoi correspond le mot liberté, je pense qu'on aura plus de gens. C'est ça surtout ce qu'il faut faire. Bien sûr, il ne faut pas galvauder ce mot. Non, ce mot doit être donné. On est conditionné de tous les côtés. Oui, mais déconditionné. Et alors, on ne l'emploie que par ignorance. Hein ? Ouais. Non, on est conditionné, l'univers, vous savez, on vient d'une étoile, de tout ce que nous sommes actuellement, oui. Hein, nous sommes l'agonie d'une étoile. Mmh. Et avec cette chose merveilleuse, c'est cette vie, la pompe, hein, quelque chose qui met, en quelque sorte, l'idée de vie formidable, et tout c'est... Mais si vous me permettez, vous avez vécu quelque chose de très fort, et on le voit, on l'a bien vu, et je vous comprends. Mais imaginez aujourd'hui que pour la jeunesse en tout cas, et même les gens de mon âge qui n'ont pas vécu cette période-là, mes parents, mon grand-père et tout ça, bien sûr, l'ont vécu. Il a fallu quand même qu'on crée quelque chose en se disant la liberté, à quoi ça correspond ? Moi, mon combat, c'est toujours pour la liberté. Mais c'est vrai, vous avez raison, elle est galvaudée des fois. Moi, c'est pour aller plus loin dans l'entreprise, pour avoir des droits de regard, des droits de discuter, des droits de dire « attention, c'est pas ça qu'on désire ».
Nous, on veut quelque chose de plus construit. Vous voyez ? Mais c'est vrai, vous avez raison. Mais je ne vous convaincrai pas. C'est sûr et certain. Mais je vais vous dire, vous m'enrichissez, mais je ne peux pas toujours être collé carrément à vous. Vous comprenez ? Alors, on va continuer cette conversation dans une seconde. On va faire une pause musicale, comme toujours dans Des mots de Mini. Je vous propose de retrouver le Lama Diourmé, accompagné au piano de Jean-Philippe Riquiel, qui interprète un premier titre ce soir. On le retrouvera tout à l'heure à la fin de l'émission. Ça s'appelle « Offrande de Tsok ». On retrouve le lama à la fin de cette émission. Alors, Mangati, vous êtes impayable, si j'ose dire, hein, parce que vous dites, oui, de toute façon, tout ça, c'est la CIA. C'est drôle, finalement, fait que le lama soit... Le Dalai Lama... Pas les lamas. Non, mais le Dalai Lama soit aussi membre de la CIA. Bon. Ben, il l'a dit, ça a paru dans le journal que vous êtes en train de lire. Et vous l'avez répété, oui. Ce journal qui est absolument financé par la CIA, qui s'appelle Libération. Ça, je ne sais pas par qui... Ah, vous l'avez dit tout à l'heure. J'ai dit les trois quarts, je n'ai pas dit... Ah, d'accord, pardon, vous méfiez, vous êtes habile sur le procès quand même. Vous êtes allé aux États-Unis, vous aussi. Bon, Dominique Brakveld, il y a un livre, ça s'appelle « Ne crie pas », publié à la Série Noire avec un bandeau jaune. « Quand l'exclusion devient écriture », je remarque que par ailleurs dans le journal,
dans le journal dont on parlait il y a une seconde avec Armand Gatti, il y a des pages qui sont écrites publicité avec Ne crie pas. Donc vous avez, quand on s'intéresse à la presse par ailleurs, une large couverture médiatique. Quelle est cette large couverture médiatique? C'est la suivante. Un atelier pour des chômeurs. Je dis chômeurs, vous dites des gens privés d'emploi. On y reviendra dans une seconde. Et finalement, on s'aperçoit que c'est un peu comme l'équipe de foot de Calais. Enfin, finalement, on a l'impression que vous êtes, parce que vous avez publié La Série Noire, parce que vous êtes dans la presse, que vous êtes récupéré finalement, et que le système va vous intégrer et va vous digérer. Quand on regarde les... Bon, il y a quelques jours, là, Calais accédait à la finale de la Coupe de France de football. Il y avait des images de ces gens qui applaudissaient le match. Enfin, on les voit. Est-ce que d'une certaine manière, vous n'avez pas aussi, vous, l'impression, toute chose égale par ailleurs, d'avoir été happé par le système? Alors, c'est bien les pauvres contre les riches, les pauvres qui, ce soir, s'arrêtent, mais qui, demain, doivent retravailler, etc., etc. Mais ça aussi, c'est la contamination par Internet, par la CIA aussi, enfin, une autre manière de parler, mais... Vous n'avez pas peur de ça ? Non. Calais, si aujourd'hui Calais est honoré, c'est quand même une équipe qui vient de rien, pour ainsi dire rien, non, mais qui d'accord. a réussi. Je vais construire justement par rapport à ça. Voilà, dire récupérer, c'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'on nous pose la question, ou qu'on nous pose en disant, vous n'avez pas l'impression qu'on fait du média sur vous parce que vous êtes des salariés privés d'emploi. Vous êtes là, vous êtes mon invité. Vous êtes des salariés privés d'emploi, soi-disant dans l'exclusion. Je veux tout de suite faire constater que pour l'exclusion, je suis contre ce mot, mais purement et simplement. La société exclut les gens. C'est la société, mais c'est pas, je veux dire, quand on est privé d'emploi, quand on est au RMI ou à l'ASS, ou en AUD, on n'est pas exclu. L'ASS, allocation spécifique de solidarité. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand un employeur met dehors 100 salariés pour faire des économies, c'est lui qui les exclut du monde du travail. Et voilà, c'est pas pour ça que c'est des exclus. C'est le patron qui exclut. Alors on enlève, parce que vous m'avez demandé de le faire, on enlève le bandeau qui est sur ce livre qui est en librairie actuellement, qui s'appelle Ne crie pas. Rosbach et Ricardo Montserra. Ricardo Montserra est cet écrivain d'origine chilienne, oui. Français, par ailleurs, qui a supervisé ce travail. Hein. C'est le chef d'orchestre. C'est le chef d'orchestre. Alors j'enlève ce bandeau parce que vous le détestez finalement. Bah, disons que moi je laisse Gallimard bien sûr s'en occuper, mais quand moi je l'ai en main, je préfère sans bandeau. Ouais. C'est plus juste. Pour moi c'est plus juste. Ça correspond beaucoup plus à l'esprit des Rosbach, des 17 mains. Alors Rosbach, c'est l'ancien nom de Roubaix. C'était Rosbach. Roubaix, c'était Rosbach. Et on a voulu s'appeler Rosbach. Rose, pourquoi? Parce que la période qu'on a vécue était rose. Et Bach, parce qu'il a fallu un retour en arrière pour écrire. Comment a fonctionné cet atelier d'écriture? On va regarder tout de suite un reportage, enfin en tout cas des extraits d'un reportage d'Elsa Margou, de Jacques Gérard et de Jean-Paul Bosch. Ça s'est fait à Roubaix. Vous étiez 17. On était 18 au départ. 18 et il y en a qui nous a quittés malheureusement pour maladie. L'un vous a abandonné pour maladie. Vous aviez entre 18 et 53 ans. Oui. Et vous étiez privé d'emploi. Salarié privé d'emploi. Et non pas chômeur. Regardez. Dans Karima, il y a crime. Il y a cri. Mauvais point pour elle. Il y a toute une foule autour d'elle. Elle crie à s'en casser la voix. Par moments, elle chante. En anglais. Je n'en crois pas mes oreilles. On peut pas en dire plus. Tu t'es disputé avec ton papa, ça y est? Non, mais je t'avais dit, pour bien écrire, il faut que tu te disputes avec ton père. Samia? Moi, c'est la dispute de Cécile avec Léo. Mm-hmm. Enfin, Léo, c'est qui? C'est son père. Ah oui, ça va, oui. Au boulot, sachant qu'on arrête à... On arrête à 5 heures et on reprend après. Les festivités reprennent à 17h30. Alors, très fort, je n'ai pas supporté ces cris. Mais entre François, on n'a rien dit. Voilà. Ah oui, c'est lui, c'est lui. Ah. Ok. Bah, le rouquin, c'est un élément indispensable dans le roman noir. Il nous fallait quelqu'un
obscène, pas tout à fait bien dans ses pompes. Moi, j'ai fait une scène avec le rouquin qui viole une petite fille de 7 ans. Ça m'est jamais venu à l'idée de violer. Non, on imagine. Et après, je fais venir de suite le patron. Bon, là, c'est parce que je suis en train de l'insérer directement dans le paragraphe. Vraiment, c'est-à-dire, et il est là, et c'est vraiment une question de regard. En fait, il parle comme s'ils étaient deux, lui et Roubaix. Mmh. Eux deux, ils ont été défigurés. Roubaix par les travaux, lui par la prison. Mmh. Et par Cécile, qui l'a sucré avec le sucre. Donc il balafrait. Et quand je l'ai vu pour la première fois tout à l'heure, c'est vrai que tout de suite je me suis dit oui, c'est ça. C'est bien l'héroïne. Ah ouais. Qu'est-ce que ça vous fait de les voir comme ça? J'ai eu les larmes aux yeux tout à l'heure. C'est vivant. Là, je vois mes personnages vraiment vivants, en chair et en os. Ça, ça a vraiment transformé, ça vous a redonné le sens du jeu, J-E. Faut dire que, transformé, disons que ça m'a donné une expérience complémentaire. Me transformer, non, nous transformer, non. Non, ce qu'il y a, c'est que ce travail, quand on voit, moi je l'appelle notre bébé, parce que les jeunes, on dit souvent, ils savent rien faire. Les vieux, ils sont trop vieux, et puis ils sont fatigants, et puis ils nous énervent. Des jeunes et des vieux, ils ont sorti ça. Derrière ça, il y a un film que je souhaite qu'il passe à Cannes. Normalement, il devrait passer dans le 17 ou quoi. Voilà, c'est ça. Alors, le jeu, j'ai changé. Oui, j'ai changé. Ou je change. Je change pourquoi? Parce que j'ai connu aujourd'hui le monde de l'écriture, le monde des écrivains. La preuve, aujourd'hui encore, ça m'enrichit énormément d'entendre et de voir. J'ai connu le monde du cinéma, avec Christian Masson et les acteurs. Oui, ça, d'accord. J'ai récupéré encore un peu plus de savoir et de connaissances, et de satisfaction, surtout. Quand on regarde, alors... Pour situer un petit peu votre expérience, donc c'est 4 mois de travail en commun, c'est 4 mois pendant lesquels ces gens privés d'emploi ont été payés comme des stagiaires, c'était considéré comme un stage de formation professionnelle, donc un stage d'écriture. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes vous président de l'association qui gère les droits qui vont avec le livre et qui vont avec le film. Aujourd'hui, sur les 17 personnes qui ont élaboré ce livre, il y en a 7 qui ont trouvé le chemin un peu chaotique du travail sur 17. Oui, c'est juste ou... C'est juste. Disons qu'il y a quand même 2 personnes qui sont dans des contrats précaires et tout. Mais, qu'un cas. C'est pas la réussite. C'est vrai que du niveau à la sortie de cet atelier, l'emploi en tant que tel, c'est pas vrai, c'est pas la réussite. En revanche, est-ce que la réponse n'est pas ailleurs, ce type d'atelier? Mais moi, je me dis quand même, Roubaix, quand on voit que Amédée, La Lénière, Meyassou, avant on disait Roubaix, capitale du textile. Maintenant, il ne reste plus que le mot capitale. Hein, parce que le textile, il n'y a plus rien, il a disparu. Alors quand vous voyez tout ça, toute cette situation de ville sinistrée par l'économie, en guerre par l'économie, c'est vrai, retrouver du travail, ça devient de plus en plus difficile. Et puis les gens qui ont travaillé dans le textile ont une qualification forte dans ce métier. Ils avaient de la dextérité, ils avaient quelque chose. Sur un autre métier, ils ne connaissent rien. On ne les a pas formés, on ne les a pas préparés à cet après. On a beau nous dire aujourd'hui, oui, mais vous n'êtes pas assez formés. Donc fallait-il penser avant? Une qualification qui ne sert à rien. Ben, parce qu'il n'y a plus de textile. Au-delà du travail d'encadrement du cinéaste et du romancier, il y a quand même... un vrai talent d'écriture. Finalement, tout le monde peut écrire pour autant qu'on lui donne confiance dans sa capacité à faire. Alors, ce que vous mettez en scène et ce qui se travaille à 17 mains est au centre du propos, c'est une courée. On est à Roubaix, donc c'est une courée, c'est un carré, oui, dans lequel vivent ou squattent des gens. Et le patron de la courée s'appelle Léo. Et Léo a des enfants, etc., etc. Et Léo, un jour, accompagne sa fille Cécile à la gare, sa fille Cécile qui
par ailleurs, et en d'autres temps, a été violée par le rouquin, qui est le serial killer, entre guillemets. Hein. Je dirais le fil d'Ariane du... Voilà, le fil de ce roman policier. Et voilà ce que ça donne. Et c'est une forme de réponse aussi à Gatti. Le cœur lourd de regrets et de reproches, je tiens Marion d'une main, une grosse valise de l'autre. Marion et sa petite fille. Cécile, sa fille, la fille de Léo, fait la queue au guichet. Elle va me laisser sur le quai définitivement. Alors je parle. Je parle tout seul. Marion n'écoute pas. Cécile encore moins. Je parle quand même. Je lui parle du temps où toute la famille aurait été autour de moi pour lui dire au revoir. Marco, c'est le fils, est parti en Belgique avec sa fiancée réserver des billets d'avion pour le Canada. Karima est à Auchois. Karima, c'est cette femme d'Algérie qui est venue retrouver Léo à cause d'amitiés anciennes. Ses filles sont restées à la maison. Je voulais les prendre, mais elles préféraient jouer dans la neige. Je crois qu'elles avaient du chagrin de voir partir Marion. Moi, c'est même plus du chagrin, c'est du désarroi. On m'abandonne encore une fois. Alors je parle pour remplir le trou des mots. Je parle pour stopper l'hémorragie. Quand Maria, sa mère, avait voulu partir, j'avais crié, j'avais hurlé. Je lui avais tout dit. Plus je parlais et moins elle m'écoutait. Son visage était devenu une pierre, une porte fermée à double tour. Ses yeux noirs me condamnaient. Coupable. Deux trous de serrure dont je n'avais plus la clé. Elle avait baissé les paupières et puis m'avait tourné le dos. Je l'avais frappée pour qu'elle m'ouvre. Elle avait simplement dit, sans se retourner, « Frappe-moi, mais tais-toi. » Ou on va t'entendre, pardon. Et puis elle s'était tue. J'avais rempli le silence à coups de pied, à coups de poing. Je ne me tairai plus jamais. Voilà un peu le... Ça, c'est Léo, c'est le pivot de ce roman. C'est très, très, très noir. C'est pas un roman, un polar, comme d'habitude. C'est encore plus noir. Il a fallu, avec le noir, faire un peu de gris, tellement c'était noir. Oui. En même temps, quand on regarde le reportage qu'on a vu il y a une seconde, on a l'impression que c'était aussi du jeu, mais J-E-U cette fois, dire qu'il y avait un amusement. En revanche, ce qui... transparaît de l'histoire personnelle, si c'est plus noir que ça, c'est bien dit. Et donc les mots sont justes. Oui, oui, tout à fait. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les jeunes, il y avait une moyenne d'âge de 33 ans. Par exemple, Léo, j'avais 3-4 personnages au départ, par exemple. Et j'en avais un vraiment ragoûtant, dégoûtant, vraiment absolument rejetant, à rejeter, quoi, carrément, la bête immonde. Et j'avais l'amoureux, j'avais tout ça, donc j'en avais plusieurs. Mais avec Ricardo, quand on n'apportait pas assez d'écriture sur un personnage, il mourait. Donc, à un moment donné, il a fallu centraliser tous les personnages. Et ce personnage était vraiment trop noir. Parce que la jeunesse, elle faisait vraiment dans le noir aussi. Quand on voit le requin, quand on voit tout ce qui passe quand même avec ce personnage, je me suis dit, bon, écoute, il faut arrêter, il faut que je le blanchis, il faut que je l'améliore, ce personnage. En plus, j'avais l'intention, comment dirais-je, d'avoir une scène d'amour avec Karima. Mais ils m'ont toujours rejeté parce qu'il était tellement noir, ce personnage, qu'il fallait l'améliorer. Ouais, c'est ça. Et oui, c'est noir, mais... Quand on le lit, en fin de compte, quand on le lit, il est noir, mais enfin, à la fin du roman, on ressent un peu de l'espoir. On se ressent qu'il y a de la lumière. Si j'ai bien lu ce qu'on a raconté sur vous, si à un moment il y a une fenêtre à la fin, c'est simplement parce que la personne qui travaillait avec vous a dit « Attendez, là, on va mourir tous ». Non, c'était pas ça, c'est parce que... Il a dit, il faut un peu ouvrir quand même, parce que finalement, il n'y a pas d'espoir à ce que vous décrivez. Et quand on se remet dans votre situation d'écrivain ou d'écrivaine, on se dit, ça vient d'une histoire personnelle et c'est terrible. Oui, non, mais il y a du vécu, certainement, il y a des parties vécues. Mais il y a beaucoup d'imagination. Obligatoirement, il y a, je dirais, ce qu'on a pu observer. Parce qu'on n'écrit pas, si on ne voit pas, on n'écrit pas si on ne sent pas. On écrit que quand on a pu accrocher quelque chose, voir quelque chose, vécu quelque chose. Voilà, c'est ça. Alors, oui, situation noire, mais... Moi, je sais pas, pour moi, c'est vrai que... Bon, je dis souvent, c'est un café noir très serré, bonne dégustation. Vous avez appris à relever la tête ? J'ai toujours levé la tête. Donc... Non, mais vous, c'est un tout petit peu différent. On va y venir dans une seconde. Mais je parle du groupe, du collectif
qui a tenu la plume. Oui, il y a une satisfaction. Je peux dire qu'on a quand même, on est à la troisième période de notre expérience. Il y a eu l'atelier, il y a eu le tournage du film, où encore on nous a aussi, c'est vrai, fortement accompagnés médiatiquement. Et il y a aujourd'hui la sortie du roman. Je crois que pour la plupart d'entre nous, on a une fierté. Alors oui, on lève la tête par fierté en se disant, notre travail est là. Et d'après ce que l'on peut savoir, c'est quelque chose qui risque de prendre de la valeur. Parce que si on passait d'autres extraits des films qui ont été faits sur vous, c'est vrai que là, on voit de la joie, enfin de la joie de l'écriture. Vous avez retrouvé un sens de l'engagement et du port de tête, finalement. Et puis il y a d'autres moments du film où on voit certains d'entre vous face au patron. Et là, d'un seul coup, la tête retombe. Ah, par rapport au roman. Rapport à l'expérience que vous avez vécue, qui était une expérience positive, oui. Et puis par rapport à la vie, qui est de... Comment vous expliquer ? Si on parle de la situation, parce que c'est vrai que dans ce roman, on voit qu'on se fait licencier et tout ça, mais à mon avis, baisser la tête, non, pas du tout. J'en suis certain, même pour mes compagnons de travail... Non, personne ne baisse la tête. C'est bien ça notre expression. Si on baisse la tête, on s'exclut soi-même de ce monde. Il faut toujours regarder bien en avant. Toujours avoir les yeux droits. Enfin, droits, il faut regarder ailleurs aussi. Mais je veux dire, voilà, c'est ça. Et moi, je ne pense pas. Il faut toujours être soi-même, avoir la tête sur les épaules et bien regarder les choses. Autrement, on passe à côté de tout. Si on s'amuse à se baisser les yeux, on ne voit plus rien. Et tout peut se passer à côté de nous. Pour les gens qui ont écrit ce livre, les 17, 18 au départ, 17 à l'arrivée, qui ont écrit ce livre, quel était le... tel que vous avez pu, vous, parce que vous avez peut-être une approche un peu différente, mais quelle est la manière aujourd'hui de s'en sortir au-delà de ce livre? C'est-à-dire que quel est le point d'accroche encore avec la société? Par rapport au livre le livre. Le groupe. Le groupe, bien sûr, le groupe. Vous, comme témoin, c'est-à-dire vous êtes aujourd'hui président d'une association dans laquelle il y a des gens qui ont écrit un livre après avoir pointé au chômage pendant des années et avoir recommencé à pointer au chômage. Oui, ils pointent toujours au chômage, certains. Oui, c'est ça. C'est quoi le point d'accroche aujourd'hui encore avec la société, dominée par Internet, par exemple? Le point d'accord. Malheureusement, je vais vous dire qu'on va se mettre sur Internet. Alors, c'est un peu gênant. Quoi. On va se mettre sur Internet. Rosbach va se mettre sur Internet pour pouvoir discuter avec certains sur l'atelier d'écriture, pour donner un coup de main à d'autres pour faire la même chose. Et essayer de mettre en place des ateliers d'écriture. Voilà, c'est ça, on va se mettre sur Internet. Micro-évolution. Alors, une chose sur votre façon à vous d'écrire, parce que quand je vous ai... Vous dites à un moment, en fait, il a fallu que j'écrive une scène d'amour. Ça a été dur. Ouais, c'était très dur. Mais j'ai travaillé très tard le soir, parce que, en plus, avec le jeu, parce qu'à un moment donné, il a fallu bien employer le jeu, mais me mettre à la place du personnage. Je fais l'amour. Non, ça a été assez dur. Pourquoi? Parce que, pour moi. C'est pas, c'était bizarre, c'était sur du papier que je le faisais. Et là, c'était bizarre, ça. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, ça m'a demandé beaucoup de travail. Sur du papier ou sur l'ordinateur? Oui, enfin, sur l'ordinateur, mais pour moi, je parle papier parce que je préfère la plume, mais c'est vrai que c'est sur ordinateur. Et ça a été le cas pour tout le monde ou il y a des gens qui avaient besoin d'écrire? Non, il y en a encore qui écrivaient. Par exemple, Marie-Jeanne a fait des pages et des pages d'écriture. D'écriture vraiment manuelle. Il y avait aussi Vincent, qui était lui à l'époque SDF, et qui après l'atelier d'écriture a aujourd'hui un appartement et un revenu. Vous voyez, bon, lui au moins, il y a déjà quelque chose qui a évolué. Il n'y a peut-être pas de travail. Alors pourquoi c'est dur d'écrire une scène où on fait l'amour? Pardon. En disant je? Parce que c'était comment vous expliquer? C'est vrai que c'est comme ça, ça paraît. Bon, je sais pas. C'était sur papier, c'était sur informatique, et il a fallu que je trouve, sur un personnage créé de toute pièce, qui était Karima, que je m'imagine Karima, et que je l'apprenne.
Le jeu n'était pas de prendre mon épouse pour y mettre sur le papier. C'était bien d'imaginer. Donc il a fallu que je m'imagine cette personne. Est-ce que c'est pas plus facile ? Non, mais c'était pas le jeu pour moi. Moi, je voulais tout transcrire d'imaginaire. Je ne voulais pas mettre ma vie dedans. Moi-même, jamais ça a été dedans. Bon, il y a des situations que j'ai vécues, mais je veux dire, c'était ça le plus dur, vous voyez ? C'est imaginer une personne, respecter le jeu de rôle qu'il fallait faire. De la même manière que votre co-auteur disait tout à l'heure, c'était difficile, c'était inimaginable pour moi d'écrire un viol, enfin, ou de décrire un viol. C'est ça, tout à fait. Et vous étiez tous dans cet état d'esprit-là, dans cet état d'écriture-là ? Ah oui, pendant je dirais un mois après, ça a été dans cet état-là, parce que c'est... Parce que Montserrat dit que l'endroit où ça a été le plus difficile, ça a été de vous faire « Oh, je parle », puis quand chacun a dû s'approprier en disant « je », ça et un personnage. Parce qu'à un moment donné, il nous a fait jouer un jeu de rôle, enfin une sorte de jeu de rôle, c'est qu'on avait bien avancé en écriture, et il a mis sur chaque tête, ou deux personnes, un personnage. Et il a fallu travailler ce personnage. Et ce personnage qui ne nous appartenait pas, hein, parce qu'une fois qu'on avait passé, on avait une page d'écriture ou deux pages d'écriture faites, arrivé dans un pot commun, tout le monde pouvait retirer ce personnage, l'améliorer, le détruire, faire ce qu'il voulait avec, quoi, généralement. C'était bien ça, l'ambiance de l'atelier. C'est pour ça qu'on ressent bien, au départ du roman, cette multitude d'écritures qui est dans ce croisement. J'ai une dernière question à vous poser, mais je l'introduis par un document qui est un extrait des actualités françaises du 5 juin 1968, document INA. C'est un extrait de journal qui retrace les événements de la fin de mai 68, et notamment la poursuite des grèves, mais aussi les accords de Grenelle qui datent du 27 mai, avec notamment une réaction chez Renault. Regardez. Samedi 25 mai. Le typhon de l'émeute est passé sur le quartier latin et la France, tout entière paralysée par les grèves, en a été bouleversée. Les menaces du lendemain ont réuni autour d'une table gouvernement, syndicats et patronats qui, discutant jour et nuit sans désemparer, parviennent à un projet d'accord aussitôt annoncé par le Premier ministre. C'est le caractère extraordinairement sérieux de la crise actuelle qui seul a permis d'aboutir à des concessions aussi importantes. Monsieur Segui, secrétaire général de la CGT, est l'un des principaux négociateurs de ce protocole. Et nous avons, à la fin de ces délibérations, apprécié ce qui était positif et mis en évidence aussi qu'il restait encore beaucoup à faire. Mais lorsque le lundi 27 mai, le leader de la CGT présente aux grévistes de Renault le résultat de ces négociations, coup de théâtre, la base refuse d'entériner les accords. À ces revendications s'ajoute une exigence politique, l'instauration d'un gouvernement populaire. Sur le front des étudiants, Jacques Sauvageot tente à la fois de détourner le mouvement de la violence et d'en accroître l'efficacité en multipliant les contacts avec les ouvriers. Alors Dominique Braquevelt, vous êtes paradoxal puisque en mai 68, vous n'êtes pas forcément du côté des étudiants, mais vous adhérez à la CGT. Oui. Vous êtes toujours à la CGT. Toujours. Vous avez eu des responsabilités à la CGT. Vous avez toujours des responsabilités à la CGT. Vous avez exercé des petits métiers. Vous êtes comptable de formation et de passion. Enfin, d'intérêt. Hein, d'intérêt. Alors, quand on vous regarde dans cette expérience de roman policier, on a l'impression que vous êtes un tout petit peu décalé. C'est-à-dire que vous êtes, finalement, vous êtes quelqu'un de l'institution. Et quand on parle des exclus, un militant CGT, c'est plutôt quelqu'un de l'institution. Donc c'est encore quelqu'un d'inclus. Est-ce que vous avez vécu cette... J'ai participé à un atelier. Et c'est là la preuve. C'est là la preuve que des fois, on se fait des mauvais préjugés sur des militants cégétistes ou quoi que ce soit. Pareil qu'on est terre à terre, qu'on est des fois des dinosaures ou quoi que ce soit. Vous êtes les bienvenus ici. Hein, non, mais je ne parle pas. Mais je veux dire, globalement, on nous dit souvent, vous êtes des dinosaures, vous êtes contre tout, jamais vous faites d'accord ou quoi que ce soit. Moi, ce jour-là, l'atelier, j'y ai participé, on m'a demandé d'y participer, donc d'y travailler. Je m'y suis investi. Privé d'emploi à l'époque. J'étais privé d'emploi, mais je m'occupais du syndicat CGT des privés d'emploi. Pendant l'année 97, j'ai vécu un mois sous une tente face aux acédiques. Et il faisait très froid. J'ai vécu sous une tente pour la prime de Noël, qu'on appelait au moment. Oui. Alors, c'est sûr que dans ce roman, ça peut paraître bizarre, mais moi je dis que l'écriture qu'il y a là-dedans, on égratigne pas mal de choses. Hein. Vous savez, tout. Le Front National, il en prend un coup là-dedans. Parce que c'était un café que je connaissais très bien. Chez Leloup.
Il y a plusieurs trucs comme ça. Au choix. J'ai gratigné au choix aussi. Et ça, c'est quelque chose de très, très grand en France. Vous voyez ? Donc j'ai eu matière à pouvoir quand même exprimer ma façon de voir les choses. Est-ce que vous pensez réellement, et ce sera ma dernière question, est-ce que vous pensez réellement qu'il n'y a aucune différence entre les gens qui font, un degré ou un autre, partie de l'institution, partie du, pas du système, mais de la société. Et c'est vrai qu'être militant, syndical, ça fait... Et puis ceux qu'on appelle les... Alors là, pour le coup, les exclus de tout système de référence. Que vous ayez vécu à cheval sur les deux, c'est possible, c'est jouable et c'est... Ma lutte. Et toujours... Et je suis toujours, en tout cas, même si j'ai du travail aujourd'hui, au niveau des comités privés d'emploi. Je suis toujours. Vous avez retrouvé du travail, vous, hein ? Oui, mais je suis toujours. Ma lutte, elle a toujours été pour travailler envers les personnes qui sont en difficulté. Je suis aussi, par exemple, administrateur aux ACEDIC. Donc imaginez un peu ce qu'on peut faire. Alors. Non. Ils savent. Attendez, qu'est-ce que vous faites ? Parce que là, c'est un exemple dans votre livre. Il y a Marco qui fait du taxi-chauffeur et qui se fait sucrer son Rémi. Qui se fait sucrer son Rémi parce que par ailleurs, il fait le taxi, etc. Et puis il tombe devant un administrateur des ACEDIC qui lui, schématiquement, qui lui dit : attends, je t'ai piqué, je t'ai pris ton taxi, je t'ai filé 20 balles. Et vous faites quoi quand vous avez ce genre de situation face à vous ? Moi, je rentre dans le bureau et je fais comme lui. On casse le bureau s'il faut. Armand Gatti, qu'est-ce que vous avez entendu de ce que vous dit Dominique ? D'abord, une chose formidable, c'est que nous sommes tous les deux confucéens. C'est quoi ça ? Confucius. Ah, pardon. Confucius. d'ailleurs, c'est un mot qui est très connu de lui, enfin, même en français, c'est-à-dire si tu rencontres quelqu'un et s'il ne t'apporte pas quelque chose, tu peux te retirer de mes disciples. Lui, le premier mot qu'il a dit tout à l'heure, c'est de dire j'ai appris. Voilà. Et moi, il m'apporte quelque chose de plus. Quelque chose de terrible. Hein ? Un témoignage. Hein ? Un témoignage de quelque chose, et Dieu sait si je l'ai vécu comme à la fois drame et combat, et vous pouvez vous référer au livre, vous voyez, hein, les combats de la classe ouvrière, ce que ça représente, enfin, hein, ce que ça peut dire. Hein, pour moi, c'était le langage du siècle. Et il a suffi que le système... Hein, à la place de classe ouvrière, mettre consommateur, et c'est fini. Il n'y a plus de classe ouvrière, il y a des consommateurs, et qui se battent en tant que consommateurs. Voilà. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de prise ? Question hein à l'un et l'autre. En ce moment, on marche vers le robot. C'est tout... Non, mais quand on dit il y a classe ouvrière, il y a les pauvres, les riches, il y a Calais, un pauvre contre les riches de la première division, etc., etc. À partir du moment où on n'a plus ces repères-là, comment on fait ? Non, classe ouvrière, ça voulait dire autre chose. Non, mais j'entends bien. Moi, j'ai toujours vécu, enfant, la classe ouvrière comme une espèce d'aristocratie, parce que mon père était balayeur. Oui, le combat. C'est ça qui a porté la richesse. Alors, ce n'est pas comme employé à la SBM qu'il pouvait... Société des bains de mer, c'est ça. Mais ce qui se passe quand même, et c'est vrai, mais le problème, aujourd'hui, quand on voit, c'est ce que j'ai dit, le textile disparaît, tout ce qui était main-d'œuvre manuelle, qui apportait la plus-value, et le maximum de plus-value, aussi bien c'est là-dessus que la plupart des richesses se sont créées, sur les mains de l'homme, en manuel. Aujourd'hui, il est vrai que quand on regarde, on dit nouvelle technologie. L'Internet, l'informatique, et tout ça. Mais l'informatique, qui est une escroquerie. Oui. Ça n'a jamais été une science, c'est une technologie tout juste. On va arriver parce que je voulais. Alors, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous avez raison, le prolétariat appelle à disparaître. Bien sûr, il y a de moins en moins d'ouvriers, mais il y a de plus en plus d'employés. Il y a de plus en plus d'États. De consommateurs. Tous les employés ne sont pas consommateurs. Regardez, je suis comptable. Normalement, je pourrais être qu'un consommateur.
C'est pas pour ça que j'ai oublié mon esprit de classe et de masse. Vous voyez ? Ça m'intéresse. Un mot, et parce qu'on est très en retard, un mot, c'est quoi la prise aujourd'hui, à partir du moment où on n'a plus ces repères de classe, d'affrontement, etc. C'est quoi la prise aujourd'hui? On se bat contre quoi? Armand Gatti, vous battez contre quoi? Hein? Toujours la même chose, je sais bien, mais contre quoi? Ben, c'est-à-dire... Internet. Contre le système tel qu'il existe, et je conçois le travail que je fais comme de la guerre civile. Et le théâtre qui n'est pas guérilla urbaine n'a aucun sens. Dominique, votre combat aujourd'hui? Moi, je me bats pour une vraie répartition des richesses. Pause, on se retrouve dans un instant. C'est l'actualité culturelle, ça s'appelle Les Tignes Vos Portables. On se retrouve tout de suite, en fait. Hélène Azéra dit de la grande réussite de ce groupe hors norme, c'est l'adéquation entre le style et les textes. Voici Casse-Pipe. Je vous présente Louis-Pierre Guinard au chant, Philippe Onfray à l'accordéon, Tonio Morinescu aux percussions, Christophe Mingui à la guitare et Daniel Pabeuf à la clarinette. Ils interprètent ce soir donc Casse-Pipe, ils interprètent ce soir Partout. C'est un extrait de leur dernier album et c'est le quatrième album de ces Bretons de Saint-Brieuc. Chansons du monde, nous les avons chantées. Les pires pays du monde, nous les avons aimés. C'est toi le sel de la terre, partout je te suivais. Dans tous les coins de la terre, notre amour s'amusait. S'amuser comme à la fête, pourtant nous avions peur. L'amour, il perdait la tête, mais nous, on avait peur de perdre aussi quelque chose, sans doute le bonheur, un temps brûlant bonheur n'ose occuper tout le cœur.
Casse-pipe, donc, emmené par Louis-Pierre Guinard au champ. Casse-pipe qui a été fondée, enfin, dont la gestation a commencé en 1991, quand Louis-Pierre Guinard et Philippe Onfray ont commencé à jouer et à chanter ensemble. Nous a rejoint Alain Sayag. Alain Sayag, bonsoir. Dans l'actualité culturelle également de cette semaine, il y a la rétrospective Brassailles au centre Georges Pompidou jusqu'au 26 juin 2000. Donc on a le temps d'aller voir. Comment est-ce que vous avez imaginé de monter cette exposition, essentiellement centrée sur la photographie qu'a fait Brassailles, alors qu'il est par ailleurs sculpteur et écrivain? Comment est-ce que vous avez organisé l'exposition que vous nous demandez d'aller voir? L'exposition est vaste, il y a près de 530 œuvres, il y a 450 photographies, donc on montre quand même quelques dessins, quelques sculptures, mais c'est vrai que l'essentiel de l'image qu'on a de Brassailles, c'est l'image d'un écrivain. C'est quand même un écrivain merveilleux, c'est l'écrivain des Conversations avec Picasso, qui est un livre que Picasso disait, si on veut me connaître, lisez donc Conversations avec Picasso. Donc c'est un livre qui n'est pas pour une fois une hagiographie, qui est quelque chose, qui est un peu le récit d'un jeune Hongrois qui s'établit à Paris en 24 et qui tout d'un coup découvre ce monde assez extraordinaire, mais il en découvre à la fois les attraits et parfois aussi les aspects un peu moins reluisants. Il décrit très bien les journées passées avec Picasso, qui est à la fois un personnage extrêmement attirant et parfois extrêmement cruel. Brassailles déjà vient de se faire connaître, c'est en 33-34, vient de se faire connaître comme photographe, il a déjà un petit nom, il travaille un peu pour Picasso, et Picasso, Brassailles a appris le dessin d'abord à Budapest, ensuite à Berlin en 21-22, il a donc eu une formation d'artiste, et Brassailles lui dit, mais enfin, Brassailles, pourquoi tu exploites comme ça une mine d'argent alors que tu as une mine d'or entre les mains? Alors, c'est quand même un peu cruel, bon, pour quelqu'un qui dira toujours « mon premier métier, c'est la photographie ». Ce n'est pas un métier secondaire. On a toujours un peu tendance à penser que la photographie, c'est quelque chose de banal, de naïf. Brassailles est assez extraordinaire parce qu'il donne de cette photographie une image qui est aussi… – Alors on va regarder quelques photographies de Brassailles. Donc dans cette exposition, il y a 530 pièces et 450 photographies, oui. Dont certaines qui n'ont jamais été montrées. – Dont un certain nombre n'ont jamais été montrées, en gros 10%. C'est déjà pas mal par rapport à une œuvre comme celle-là, qui est une œuvre qui a été beaucoup visitée. Promenons-nous, je vais demander à la régie de nous montrer les différentes photos. Alors celle-là est intéressante parce qu'on voit Brassailles, oui, en train de photographier. Donc Brassailles donne ses photographies pour des photographies authentiques, des photographies presque volées comme ça. En fait, on voit l'appareillage qu'il promène. C'est un appareil à pied, lourd, qui demande un éclairage donc supplémentaire. Donc tout est monté, finalement. Tout est complètement fabriqué. Ça prend des heures de pose et... Il parle très souvent de deux types de poses. La pose boyard, où il a le temps de fumer une boyard, ce qui quand même prend un certain temps. Et la pose gitane, qui est la pose la plus courte, qui déjà est quand même assez longue. Donc, vous voyez ces images, par exemple, de filles prises dans la rue, sont des images qui sont en fait posées. Mais ce n'est pas ça qui est finalement intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que ces images ont l'air authentiques. Et finalement, elles donnent... C'est de la triche. Mais Brassailles dit bien qu'il veut produire des signes, il veut produire des symboles. Ça, c'est Paris. Alors, ça, c'est... Bon, ça, c'est la statue du maréchal Ney qui est devant la closerie des Lilas. Bon. On a tout de suite aussi une image d'une ville qui est une image d'une ville qui a disparu. Bon, effectivement, les monuments sont toujours là, mais cet éclairage, ce contraste entre l'ombre très profonde et la lumière, cette espèce d'effet surréel que Breton aimera tant dans les photos de Brassailles, il a, hélas, complètement disparu. Hein. La ville est maintenant écrasée par une... Je ne sais pas si la CIA est pour quelque chose, mais en tous les cas, la ville, certainement. Non. Et moi, il y a une photo que je trouve admirable, donc c'est Juan Lépin en Folie Bergère 1932. Donc Brassailles fonctionnait sur le montage. Et puis il y a, alors je ne sais pas si on peut le voir ici, mais il y a sur le bord cadre, il y a ces deux lettres, BB.
Alors, c'est bien, bien. Donc, quand il était très, très content de son boulot, il mettait 2B, ça voulait dire que c'était très, très bien. Oui, cette image est tout à fait emblématique à la fois. Alors, cette image, elle est difficile parce que, en même temps, je trouve que c'est celle qui pose le plus d'interrogations. Ici, on a une rangée de filles, on est au Folies Bergère, et donc elles attendent de passer en spectacle. Non, elles sont sur scène. Elles sont sur scène. Elles sont cachées par un miroir sans teint qui les incorpore à l'image de fond. Donc c'est un effet de théâtre tout à fait traditionnel. Ce qui est intéressant, c'est que Brassens, c'est une image qui n'a pas été publiée auparavant, on l'a publiée pour la première fois, c'est une image qui est tout à fait symbolique. En fait, Brassens a créé cette espèce de grand espace avec le noir tout en haut, qui donne effectivement une image symbolique de ces filles dont le destin, qui ne maîtrisent pas leur destin, en fait, des pauvres filles qui font un métier qui n'est peut-être pas un métier extrêmement reluisant, même si elles sont bien regardées. Alors, Brassens, c'est aussi des séries. C'est aussi c'est une des séquences. Façon de travailler en séquence, les petits métiers, des choses qui sont des histoires. Je pense, oui, c'est un photographe littéraire, absolument. Ouais. Alors, il ne faut pas le prendre du tout. Vous en avez là aussi un autre exemple. Il raconte toujours une petite histoire. C'est vraiment symbolique de la photographie française, d'une manière de toujours se rattacher à l'écriture, de toujours vouloir raconter quelque chose très, très brièvement, mais une petite histoire. Alors, cette rétrospective, je voudrais simplement parcourir rapidement le livre pour vous donner envie. Et je pense que c'est sans doute un moment de la photographie à Paris pour cette année 2000. Donc, par exemple, ici, on a Paris dans tout ce que ça évoque. C'est à la fois d'une... Bon, ça se passe en 1930-1932, donc c'est très, très lointain. Ici, on a une photo dont on a l'impression qu'elle est prise comme ça dans un lieu de plaisir alors qu'en fait elle est très posée. Et je pense que vous avez découvert que sur cette photo c'était l'assistant de Brassens. C'est l'assistant de Brassens et c'est pas un hasard si les filles évidemment ne montrent que leur postérieur. Voilà, donc il y a d'autres photos. Puis il y a aussi ce travail, alors là c'est plutôt à l'époque avec Breton pour la revue Le Minotaure. Donc il y avait... Entre 33 et 36 il travaille beaucoup pour Le Minotaure, un peu comme Man Ray, et il illustre beaucoup de textes pour Breton. Breton essaye de l'incorporer au mouvement surréaliste. Il trouve que c'est... Mais il y va jamais, hein. Il y va jamais vraiment. Puis dernière photo, elle est très très emblématique d'un travail sur Paris, c'est la carte postale, quoi. Oui, mais c'est une carte postale symbolique. Enfin, elle est très chargée de sens. Elle est belle. Oui, elle est belle. Qu'est-ce qui, en un mot, qu'est-ce qui vous a le plus marqué chez cet homme que vous aidez à redécouvrir aujourd'hui ? C'est cette tension permanente entre la construction d'une image et le fait que de temps en temps, il prend des images dans la réalité telles qu'il ne les transforme pas. Donc il y a vraiment toujours une espèce d'alternance qui est tout à fait étonnante et qui crée réellement une œuvre. Alors, merci Alain Sayag. Armand Gatti, Brassens, ça évoque quelque chose ou... Non, mais de toute façon, je suis profondément contre l'image. C'est une entourloupette du concile de Latran qui se répercute aujourd'hui, et donc je n'ai rien à dire. Non. Vous êtes beau en photo quand même. Dominique. Ouais, je trouve très beau, mais je n'ai pas la connaissance absolue sur la photo. Vous avez à parler de photos de vacances. On va se promener très rapidement dans l'actualité culturelle. Je voudrais qu'on évoque rapidement à la galerie Nathalie Obadia à Paris une exposition de Valérie Favre. Elle est d'origine suisse. Elle est installée depuis 2 ans à Berlin. Et elle expose donc dans la galerie Nathalie Obadia une série qui est intitulée Intérieur et où on voit des corps de femmes en partie dénudées, exposées. Voilà quelques dessins de Valérie Favre, jeune femme pubère, femme poupée aux formes imprécises qui semble s'offrir. Exposition, enfin en tout cas, travail très 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 ambigu, séduction, féminité rêvée, fantasme, provocation. C'est à la frontière du malaise, parfois peut-être de l'angoisse, des dessins qui valent aujourd'hui, qui sont commercialisés. Qui sont vendus aux alentours de 15 000 francs. C'est à Paris. Et puis je voudrais vous signaler aussi le travail d'un monsieur qui, par ailleurs journaliste, qui fait un travail de photographe normal, j'allais dire, un photographe d'actualité. Il y a une double exposition, il s'appelle Jean-Christian Bourcard.
Il expose à la Galerie du Jour, Agnès B. Ce sont, premier temps de l'exposition de Jean-Christian Bourcard, ce sont d'abord des images récupérées dans les clichés invendus et les ratés des photographies de mariage. Alors ça donne ce qu'on connaît tous quand on se promène dans les rues des villes, devant chez les photographes, hein, des photographies de mariage comme ça, on a l'impression que c'est bien. Et quand on rentre dans cette exposition, on pénètre dans cette exposition par le mariage et on finit par le bordel, parce que Bourcard est également allé dans les lieux sadomasochistes et dans les lieux échangistes, avec, dans cette obligation qu'il n'avait pas forcément de se déshabiller, une veste truquée dans laquelle il a pu dissimuler un appareil photo, et ça donne une série d'images volées dans des clubs échangistes de Paris ou de New York. Bourcard dit la chose suivante: « J'ai une fascination pour ces mises en scène du bonheur qui m'émeuvent par l'ambiguïté qui s'en dégage. Rêve ou cynisme, c'est au spectateur de décider. » Il dit par ailleurs: « Être voyeur, c'est mon affaire. » Et toujours dans la photo, je voudrais vous signaler Itinéraire bis. C'est une série de photos de Laurent Dejante avec des textes de Éric Amouroux. C'est à la Galerie du Réverbère à Lyon jusqu'au 18 mai. Et dans ce livre, eh bien, Dejante s'intéresse à tous ceux qui sont des amoureux de la nature, des randonneurs. Et vous apercevrez par exemple sur cette photo, vous apercevrez qu'il y a toujours un détail qui trahit en fait un amour qui dit autre chose qu'il souhaiterait dire. Par exemple, cette jeune femme que vous voyez ici, eh bien, elle s'est laissée piéger avec sa cigarette à la main. Donc cet amour de la nature a une limite, parce que c'est difficile de randonner quand on a une cigarette à la main. Donc voilà, donc il y a une véritable mise en scène totale de ces photos de Laurent Dejante. C'est à la galerie Le Réverbère à Lyon et c'est jusqu'au 18 mai. Je voudrais vous signaler également un film cette semaine et je vous en présente un extrait. C'est un film dont les critiques, que ce soit, se battent, parce que certains sont pour, d'autres contre, mais c'est la loi de la critique, et elle est très contraire par rapport à ce film qui s'appelle Le Labyrinthe des rêves de Sogo Ishii. Nous sommes dans le Japon des années 30, et ce film raconte, en tout cas fantasme plutôt, l'histoire d'une receveuse des bus, d'une ligne de bus, et l'aventure et l'amour qu'elle a pour un conducteur qui, par ailleurs, pourrait être, serait éventuellement et un serial killer. Extrait de ce film dont l'important est le cadrage, le noir et blanc et l'onirisme. So, watashi, mucha da to omou. Demo. むちゃでもいいの。私の本当につまらなかった人生に初めて大きな冒険が現れたのよ。私もちろん覚悟してます。 C'est un extrait donc du Labyrinthe des rêves. Dans les livres qui sortent, et je pense que ça va vous intéresser, Armand Gatti, chez Albin Michel, une collection qui s'intéresse à la calligraphie, ça s'appelle Les carnets de la calligraphie, avec notamment deux premières publications sur les quatrains de Rumi, avec des calligraphies de Hassan Massoudi. Et on a pour vous, les mots sont extrêmement importants, donc la calligraphie doit l'être également. Et donc là, on a une calligraphie arabe. On a également François Cheng avec la poésie chinoise, calligraphie dans la circonstance... C'est un ami, Cheng, donc, et c'est un grand monsieur. Voilà, donc vous n'aimez pas la photo, en revanche, la calligraphie... Absolument. Alors, justement, de Meng à Oran, chez un vieil ami. Mon vieil ami m'invite dans sa campagne, où sont déjà préparés poulets et milliers. Rangées d'arbres, clôturant le village, hors des remparts, s'incline le Mont Bleu. C'est joli tout ça. C'est une magnifique collection par rapport au dessin. Armand Gatti, je voulais aussi vous signaler ce livre
Alors, édition Peuple libre et notre temps, avec une préface de Denis Péchanski, Des indésirables, un travail de recherche sur les camps d'internement et de travail dans l'Ardèche et la Drôme durant la Seconde Guerre mondiale. C'est signé par quatre auteurs, Vincent Giraudier, Hervé Morand, Jean Sauvageon et Robert Serre. Je pense que ça... Je ne suis jamais sorti du camp. Là, j'avance, mais j'y suis toujours. Et je pensais que c'était important de parler de ce livre ce soir. Sinon, je vous signale également de Tchatchia, Leonardo Tchatchia, les œuvres complètes 71-83. C'est publié chez Fayard. Vous retrouvez notamment le contexte et l'affaire Moreau dans les œuvres complètes de Tchatchia. C'est la fin de cette édition. On va se quitter en musique avec Lama Diourmé et Jean-Philippe Riquiel au piano avec un deuxième interprétation, ça s'appelle Offering Chant. Je voulais simplement vous signaler que le 27 avril prochain au Trianon à Paris, Lama Diourmé sera accompagnée cette fois non pas au piano mais au synthétiseur. La différence est importante, elle est à signaler. En revanche, ce soir, il est accompagné au piano par Jean-Philippe Riquiel. Ça s'appelle Offering Chant. Oh,
Lama Diourmé, c'est un extrait de l'album Rain of Blessings, Vajra chant, c'est pluie de bénédiction, psalmodie du Vajra. Voilà, c'est la fin de cette émission, même si elle a été abolie en Pologne où elle n'était plus appliquée, la peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis. Bonsoir, bonne nuit. يبسى وحزينة راني هايمة.